Alors, cette fois-ci, c'est pour un Tandy TRS-80 Color Computer, mais modèle 2 cette fois-ci. J'ai aussi le modèle 1 qui est en vente quelque part sur eBay. Tout dépend du moment auquel vous verrez cette annonce. Donc, il est vendu en boîte. Voilà, pareil, on va le tester après. Sa boîte, c'est sa boîte d'origine, puisque le numéro de série et le modèle correspondent. Tout est indiqué sur le côté et ça correspond à ce qu'il y a à l'arrière de l'appareil. J'ai acheté ça il y a peut-être 10 ou 15 ans pour ma collection. Alors, pouf, bon. Voilà, donc il y a des polystyrènes à l'intérieur. La boîte est en bon état, sauf un angle, j'ai remarqué. Je pense qu'il a dû se battre dans le garage avec un rat à un moment donné. Donc, je regarde, je sais qu'il y a un angle qui n'est pas en super état. Alors, je le signale pour les maniaques. Voilà, et puis c'est pas très propre. Alors, c'est pas la peine de mettre une note négative parce qu'il y a de la poussière. Ça vient du garage. Alors, les casse-couilles et les autres, abstenez-vous d'enchérir. Hein. Voilà, là, c'est un peu abîmé. Ici, voilà. Voilà. Un rat, l'usure, on ne sait pas. Voilà l'état du carton qui, sinon, n'est pas trop mauvais. Donc, vous avez avec le câble pour relier un magnétophone. Magnétophone non fourni, puisque j'en ai qu'un seul que je conserve précieusement. Ça se trouve chez Emmaüs, hein, normalement. Vous avez le lexique là pour le basique que j'ai réussi à retrouver pour celui-là. Ok. Vous avez deux pads qui sont en bon état, qui sont testés, qui fonctionnent. Ok. Et vous avez les bouquins. Alors j'ai mis un peu ce qui me restait. Donc vous avez Initiation basique en français, 1 sur 2. J'ai pas trouvé le 2 sur 2. Je sais plus comment c'était foutu à l'époque. Vous avez Going Ahead with Extended Color Basic en anglais et Getting Start with Color Basic. Excusez-moi pour l'accent. Donc ça vous fait trois bouquins. Donc c'est un peu lourd. Si certains les ont déjà et ne les veulent pas, au moment de l'enchère, si vous ne les voulez pas, vous me le direz. Puis ça partira à la benne ou ailleurs. Voilà. Donc la boîte, les deux manettes, le câble pour le magnétophone, les bouquins, l'ordinateur lui-même, il est livré bien sûr avec son câble Peitel qui est ici, et l'alimentation est intégrée au boîtier. Donc voilà. Il n'y a pas de jeu avec, je les ai mis séparément, j'en ai juste gardé un pour montrer que l'ordinateur fonctionnait. Donc on l'allume comme ça, et ça marche, voilà. Voilà, 980 quand même, et ça fonctionne toujours pas mal. Donc on met un jeu pour voir. Voilà. Et ça devrait se déclencher. Voilà. Canyon Climber. Alors il y en a qui sont en couleur, il y en a qui sont en noir et blanc. L'ordinateur lui-même est d'origine a priori européenne, puisque j'ai un clavier AZERTY. Et le jeu lui-même doit être américain, donc ça dépend. Parce que suivant le TRS-80, suivant la télé, vous avez des images qui sont en couleur, d'autres qui sont en noir et blanc en fonction des jeux. Hein, donc ça dépend de ce que vous mettez dedans en fait. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien inséré. Ouais, non, c'est bien inséré. Voilà. Si vous voulez des jeux, vous regardez sur les annonces. Il a l'air d'être un peu en noir et blanc. Hein. Ok, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? L'ordinateur lui-même est en très très bon état. Il hein n'y a rien à dire, il est nickel, quoi. Voilà, je le montre bien. Puis bien le voir. Voilà l'arrière, enfin le numéro de série pour l'encornier. Donc le numéro de série de ce truc-là, c'est le 501-010. Je ne sais pas si ça se voit. Et là, vous avez le 501-010. Je ne suis pas sûr que vous le voyez. Type modèle 265-3026. Et 265 3026, voilà, au-dessus du numéro de série. Voilà, c'est une version 2 en bon état. Voilà, les bonnes enchères, merci.